Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Victoria 3 dans lequel nous jouons l'Allemagne. Ok, on avait décidé d'annexer les petits pays que l'on avait fantochisés à côté des Indes, en moyen, je sais plus comment ça s'appelle, Extrême-Orient? Lointain Moyen-Orient, quelque chose comme ça doit être, ça doit s'appeler un peu comme ça. Et on avait commencé par, enfin, j'avais décidé de commencer par les Sindes, apparemment. Ok, on a un bon solde, on a un très bon solde, la vache, parfait. On a un petit problème en bureaucratie, ok, faible accès au marché, mais tout ça, je crois que j'avais pas lancé des constructions pour tout ça là. Bah, j'étais persuadé. Ok. Capacité d'imposition insuffisante. Voilà, on va le faire. Les administrations gouvernementales dans ces endroits-là. Hop. Il y a des habitants en plus, c'est parfait. Oh la vache. Il y a une chier de trucs ici. Hein. Et pour finir, au Cameroun. Voilà, administration gouvernementale. Pour 99% de légitimité, c'est magnifique. Ça, on n'y touche plus beaucoup. Hein. Bon, les lois, on va pas beaucoup y toucher, hein, à mon avis. Même pas en touche, même pas y toucher. À la rigueur, je pourrais la censurer. Mais ça apporte pas grand-chose de. Pression, renforcement, je m'en fous. Une fusion technologique. Si ce n'est que ça, c'est pas très important. Attendez les ordres de quand on va faire. Sans plus. Là, bon bah ils vont pas abandonner comme d'hab, je suppose. Ils sont inquiets plus, mais c'est tout. Regardez-moi ces mini-territoires d'Allemagne. Ouais, faudrait que j'aille choper les trois territoires là. C'est vrai que je devais y avoir pensé à ça. S'ils veulent. Nous allons effectuer régulièrement des manœuvres pendant la frontière de la République britannique. Faites défiler nos troupes autour de la frontière comme si ce n'était rien pour elles, pour être une démonstration de puissance utile. Ça donne de l'infamie à la République britannique. Comment ça leur donne de la famille? C'est fou ça. Bon, 20% de prestige. Rien à foutre du prestige. Alors là, je sais pas à quoi ça sert. J'ai 38 000. Bien que j'en ai un moins 20%, ça doit me faire quoi? Moins 8 000. Et oui, au duc. Hein. Hop là. Qu'est-ce que c'est 2 000 sur, sur quelques millions? Bon après c'est vrai que j'ai quand même des impôts sur la consommation spirituelle. Le verre ça. C'est pas ouf de taxer le verre quoi. Pétrole, pétrole découvert. Ah. Waouh. On va aller loin. On va vraiment aller loin avec ça. On a combien? Presque 600 millions de population, hein. Ouais. On a toujours le Portugal qui a un territoire ici. C'est les Philippines. Oh, ça peut être intéressant ouais, de récupérer le Portugal.
paraît qu'ils ont des petits territoires de ci de là. Oh, c'est le bazar ici. Hein. Afrique du Sud communiste. On se demande d'où ça vient toutes ces idées. Hein. Ça va, ça va. Oui, c'est. Oh, la vitesse est plutôt tranquille, quoi. Oh la vache. Je leur propose, hein. Ça... C'est. C'est ce qu'on appelle une piquette, quoi. Langue collée est une obligation envers vous. Alors, comment ça, langue collée? C'est où langue collée? Je sais même pas où c'est. Ah, c'est ça. Enfin, c'est là, je veux dire. Mais pourquoi ils ont une obligation envers moi? Bah pourquoi pas? Écoutez, c'est toujours sympa. J'ai toujours pas remonté. Ah ok, ouais, c'est en cours. Oh oui, ça devrait bientôt le faire. Les accès au marché, bon bah ça marche pas automatiquement, je vais le faire manuellement. Égypte, j'en avais déjà fait au Moyen-Égypte, non? Ah bah, pas du tout. Ça risque pas. Il y en a zéro. Donc effectivement. Voilà, on va en faire 10. Hein. Un peu partout. Comme ça, au moins, je sais que ce sera bon pendant un certain temps. Ou un temps certain. Ou un incertain temps. Hop là, voilà. Ça remonte. Oh, le pétrole qui est redevenu à un prix raisonnable. Pas vouloir encore. Oh, les plantations d'opium. Ça se vend cher en plus. Ça se vend très très cher. Alors. Effectivement, si j'ai pas mis l'agrandissement automatique ni l'entretien subventionné, ça va pas marcher. Comment ça? Mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Mais je m'en fous, moi. Mais comment ça? Je suis. Mais je les soutiens pas, moi. Mais que... Ah, je les ai annexés, mais quelle connerie. Pourquoi j'ai fait ça? Mais quelle connerie. Oh, ça va me faire perdre du temps. Ouais, allez-y tous, hein, ça va les refroidir un peu là. La colonisation du Hokkaido allemand est terminée, c'est maintenant une colonie. C'est maintenant un état, je veux dire. Ça me va. Alors, ce qui fait que... Voilà, le Hokkaido allemand. On peut l'incorporer. On va... Ah, ok. Pas besoin.
devrait être bientôt bon. 2 tics. Une semaine et 2 jours. Ouais, je vais vite les annexer avant qu'ils fassent le bazar. Peut-être une priorité. Hop, ça serait bientôt bon. Voilà. On a l'entièreté du Sindh avec sa population, je crois, qui est assez importante. 3 millions. Pas mal. On a l'Indus. Plus en infrastructure, ça c'est cool aussi. Hop. On réinitialise. Là-bas il m'embête. Là-bas il m'embête. Ça me donnera le temps de refaire les. De reprogrammer les bâtiments comme il faut. Enfin, reprogrammer, oui. Je sais pas trop comment dire, mais. Juste ça, c'est propre. Ouais. De gérer les bâtiments comme il faut, plutôt, ouais. Ouais, non, tout ça, ça bouge pas. Ça, oui, ça, oui. Hop là. Ah là, il m'embête en vrai. Hein. Là, il m'embête vraiment. Et je peux même pas ajouter mes. Après, il me semble que. Du fait qu'ils aient eu une révolution pourrie, je vais peut-être pouvoir les annexer direct. Ah oui, mais non. C'est là en fait. C'est le neige, il est là. Neige. Ce qui fait là que là, normalement, je suis en trêve. Jusqu'au 9 dé 6. Pourquoi j'ai vu 9? 6 décembre 25. On va voir si ce sera pareil à la fin. La fin du conflit. On va. Là, ça peut être marrant d'aller faire un petit tour dans. Ouf. Alors ça peut être très drôle, sauf quand le jeu il bug parce qu'il est mal codé. Donc on va vite sortir des cultures. Putain, c'est chiant, on peut même pas. C'est le temps que ça charge. Ah non, non, c'est ça en fait. C'est l'affichage des. C'est l'affichage des couleurs qui fait tout bugger. C'est pas cool. Hein. Ouais, je suppose que ça va faire même. Ouais, bah, même principe population. Ça utilise encore plus de trucs. Ah. Oh, c'est pire. Oh, c'est pire. Bon. Alors, ils étaient tout contents lors de la mise à jour de dire, vous avez vu, on a gagné en vitesse de partie, etc. On est plus efficace, machin. Ah, il y a eu des belles images où c'était en mode regardez nos beaux graphiques. Ça montre qu'on est plus efficace. Bah ouais, bah en attendant tes beaux graphiques. Moi j'ai la preuve, juste par le jeu, que c'est pas plus efficace. Parce que c'est pas en mettant ma souris à un endroit que ça fait planter, enfin dans la précédente version. Voilà pourquoi ne croyez jamais les statistiques, les graphiques, quand vous ne savez pas ce que ça veut dire, comme moi. Leur graphique, ça veut dire que ils essaient de trouver un truc parmi plein, où c'est pas la merde, tu vois, juste pour vous dire, hey, vous avez vu, c'est trop bien là. C'est quoi? Ah, non, non, c'est juste la consommation d'eau de nos employés, ils s'hydratent un peu mieux. Ah ouais, ok. Ça n'a rien à voir. Ah non, non, pas du tout. Mais bon, bah, vous n'avez pas compris ce que c'était, donc. Donc vous croyez que c'est bien pour la plupart? Ah ouais. Ah, ça, c'est une bonne leçon de vie, ça. Allez, il serait temps d'abandonner. Droit de réunion. Là. Qui c'est qui veut ça? Les ruraux. Rien à foutre des ruraux. Ouais, tu m'étonnes qu'il
Il y a des tonnes qui déclarent tous leur neutralité. Sauf lui qui a rien compris. Eux, ils ont rien capté. Ils ont une population de 82 000. Je leur envoie 1, 2, 3, 4, 5, 600 000 soldats. Ils ont des sports, quoi. Les sports font vivre, c'est bien. Ils ont même personne pour se défendre. Ils ont personne, mais littéralement personne, j'ai l'impression. Ah, c'est ça, ils ont zéro bataillon. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Je sais même pas s'il y en a un seul. Ouais, non, ils en ont même pas du tout. Mais ils persistent, hein, apparemment, j'ai l'impression. On va voir si c'est vrai. Putain. Voilà. Et regardez cette... magnifiquement rapide. Hop là, hop là, hop là. Hop là, hop là, hop, ah bah. 4 jours. Yes. C'est peut-être temps d'arrêter les bêtises un peu là, non? Enfin, quand même. Bon, hello, hello, c'est quand tu veux que tu conquis un peu plus? Je suis déçu ici, il n'y en a pas un pour prendre l'avantage sur les autres. Moi, j'aimerais bien, ça me permettrait de me simplifier la vie. Afrique du Sud. Dictature militaire, ah oui. Tu m'étonnes. Ici, c'est quoi? République. Oh, il en reste. Ce n'est donc pas qu'une... Ouais, bon, ouais. C'est un émirat. Bon, là, c'est un califat. Émirat. Principauté constitutionnelle. Oh, bah dis, c'est pas mal. Monarchie absolue, monarchie constitutionnelle. Oh, Sierra Leone. Ok. Peut-être le Brésil. Empire constitutionnel. Oh, j'ai rien dit. Oh là, bah dis. République, 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 République. Putain, c'est le berceau de la République, l'Afrique du Sud. Bon, l'Amérique, je veux dire. Putain, pourquoi l'Afrique du Sud? L'Amérique est le berceau de la République, on dirait. On n'a plus beaucoup d'autres endroits. C'est... Non. Ah, j'aurais adoré voir la République Zoulou. Alors là. Je suis déçu. Ah, j'aurais juste aimé voir pour le nom, quoi. Ok. Plus j'en fais, moins il y en a. Ça, c'est dommage. Capacité d'imposition insuffisante au mon avis. Bon, bah, on va faire quelques... Ah, c'est là. C'est bien, ça veut dire qu'il y a de... Il y a de l'immigration. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Je voulais voir ça aussi. La population, la population... population. Je suis deuxième. Voilà, en croissance. Bon, bah là, ça c'est une croissance chez moi. Et la compagnie des Indes orientales qui est mine de rien encore en croissance. Hein. L'Italie. Oh la vache! On voit les moments où je lui ai tapé dessus. Pareil. Ça c'est bien. Oh la vache, c'est quand même beau. Tu vois mes territoires? Bon, ok, là-bas c'est pas ouf. Là pareil, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, bon bah je suis pas encore depuis longtemps. Et tu vois les autres territoires. C'est génial. Tu vois l'Australie aussi. Non, bon, ça me fait rigoler. Ils sont comment au Japon ça commence, la Corée ça va, enfin, la Chine la pauvre. Le Laos, tu vois. Le Luang, pardon.
Ils sont pas mal. Allez, il serait temps d'accepter, mon gars. Et moi, il serait temps que je conquête cette région là. Parce que ils me font perdre du temps. Pareil, il y a le Congo ici. Ah purée, c'est vrai qu'ils ont perdu le Zimbabwe et le Portugal. Elle est pas douée. Là c'est à la France. Ah ils ont piqué ça à l'Oman. Oh les salauds. Ouais, c'est peuplé, hein, 6 millions. 8 millions. 10. Oh la vache. Ah, je pensais pas qu'il était autant là. Oh. Ouh, l'Argentine. Soulèvement religieux, carrément. Eh bien. C'est pas souvent qu'on voit ça en vrai. Pourtant, je suis en séparation totale, totale. Bon, ça doit pas être trop bien pris en compte, ça, dans le bignouf, j'ai envie de dire. Ok. Bon, il serait temps de, allez, là, moins 77 quand même pour cent, là. Tu déconnes un peu là, non? Juste pour m'embêter là. Ok, alors est-ce que ça on peut. Non, on peut pas. C'était le 5 décembre? C'est jusqu'au combien? On avait dit en décembre, non? 6 décembre. Ouais, j'ai bien envie d'aller chercher, mais. Je peux pas non plus. C'est jusqu'à quand? 7 mars. Je vais annexer un des pays ici. Je peux pas. Ouais, allez, je vais les annexer. C'est toujours une forte consommation, hein. Main d'œuvre. Quelle incarnade. Voilà. Le charbon, ça devrait être bon pendant un moment, j'espère. La teinture, le fer. Ah, même le fer est pas donné, hein. Ah, mais on va accélérer la production, c'est bien. On a 30. Ouais, on va faire 90. C'est pas énorme, hein, mine de rien, quand on pense. Ouais, je me dis, ah ouais, je lance 90 mines de fer. Mais quand tu regardes par rapport à la totalité de ce qu'il y a, c'est où c'est là? Quand tu dis 90 de fer, c'est 90 mines de fer, c'est quoi? Sur 1500, c'est une petite partie, mais c'est pas énorme, quoi.
quelques administrations gouvernementales, quelques académies des arts, quelques centres urbains, je sais peu. Oh, les aciéries. 1100. Ouh, fabrique d'outils, 3000. Eh ben mon cochon. Pareil pour les vêtements, hein, faut bien les habiller tout le monde. Hein. Tout ce beau monde. Ah, Paul von Tartman, Jean-Léonard qui est mouru. Puis pas de chance, c'était un des généraux qui avait un des générales. Un des généraux, ouais, c'est ça. Qui avait une grosse armée sous ses ordres. C'était pas un des petits. Ouais, est-ce qu'on va passer la barre des 600 millions d'habitants sur cet épisode? En vrai, c'est pas loin, hein. C'est long, c'est long. Calculites ont du mal à se faire. Ah, on a une. Ouais, putain, quand même, pardon. 2400 troupes. Oh là là. Enfin, 2400 bataillons. C'est pas troupes, c'est bataillons. Ah, ça déconne zéro. Hein. Le canular du cuirassé. Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? N'importe, qu'un groupe d'universitaires pris pour se déguiser en membres de la famille royale. Travancorienne, envie, les officiers de la langue courrier à la supercherie, et leur en faire une visite de la flotte. L'incident a causé un grand embarras au sein de l'armée rouge. Pas déconner quand même. Alors. Faut peut-être pas non plus déconner, vous venez de vous prendre un grand embarras et vous demandez une promotion, les gars. Ah, les deux, faut pas déconner, on va vous recadrer un coup, hein. Non, mais. Les mecs, il y a des intrus sur leur navire. Et juste après, ils demandent quand même. Ouais, en fait, petite promotion là pour ce général, hein. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Toi, je sais pas ce que t'as pris, mais c'est violent, hein. On n'a même pas fini la colonisation, quoi. Mais c'est ultra long ici. Hein. Bon, tout ce que je vois, c'est du pétrole. Ouais, c'était bon. Ouais. Attends, je vais pas me retrouver avec avec une colonie ici, moi, par hasard. Un morceau de colonie ici. Ça serait pas ouf. Vache. Ils ont du bataillon. Ça, c'est un sacré morceau. Hein. C'est vrai qu'il y a ces deux-là aussi qu'il faudrait que j'aille chercher. Ouais, je commence à embêter aussi mon voisin. Révolution au Brésil. Ouais. Comment que ça se passe? Oh bah ça se passe que c'est déjà bientôt fini. Hein. Je pense que là je commencerai par le nord. Tout ce qui est Mandchourie. Ça, ces trois territoires de Mandchourie, ça pourrait être pas mal.
Toi, je m'en fous. C'est pas les territoires les plus peuplés, hein, clairement. Là, il y a 1 million. Là, il y a que 500 000. Là, il y a 1 million. 200 000. Moins 1 million. 1 million. 2 millions. Là, ce sera un peu plus peuplé en Mandchourie. 5 millions. 3 millions. Ah, 15 millions quand même sur le sud de la Mandchourie. C'est vrai qu'à une époque ici, il y avait des territoires fertiles ou un truc comme ça. Dans l'histoire, ça avait été conquis, si je dis pas de bêtises, par le Japon, un truc comme ça. Une magouille du genre. Je sais pas, je sais plus exactement. Faudrait que je revoie. Bon. Indépendance, libérer la Perse. Oui. J'y réfléchirai, ouais. Pas de. Je réfléchirai très très sérieusement. Regarde, j'y réfléchis. Hop, ah bah non, 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 je veux pas. Ouais, j'y réfléchirai. Ah oui, c'était une réflexion profonde. T'inquiète. On dirait pas que j'en ai fait hein, du charbon et du fer. Hein. Ah non, c'est pas encore construit. Sûrement ça. Au niveau du bois. Un peu là, je vais en avoir besoin. Voilà, va me porter un peu de bois dur, ça fera du taf. C'est toujours une bonne chose. Hop, voilà, on annexe moins 251. Ah, bah bonjour. Ah, ils veulent vraiment pas se faire annexer, hein. Bon, ça va vite changer, hein. Hop, alors, un petit instant. Alors, si je me trompe pas. Eh ouais, toujours les allergies, hein. Ça change pas. Là, quand tu sors, tu te prends une faciale de pollen pollué. C'est super agréable. Hein. Bon, là au moins, on a bientôt fini. Et on passera au Calat après. Oui. On montera tranquillou, Calat. Un petit territoire. Bah non, l'Afghanistan en entier, c'est vrai que. Ils sont. C'est notre pays fantoche. Donc autant prendre ces deux territoires d'un coup. Hein. Ça coûtera rien. Et. C'est vrai qu'il faudrait aussi que je m'occupe des petits pays d'Europe. Enfin, des pays d'Europe, quoi. L'Occitanie, surtout, faut que j'aille la prendre. Ouais, elle sert pas à grand chose, c'est pas grand. Ça doit pas être très très forte. Hop là, ça c'est fait. Bien évidemment, on incorpore. Et on dit suivant. Voilà, on envoie dessus, comme ça. Ouais, ça je suis pas fan de cette techno, hein. C'est bien, mais. Que qu'on a affaire à un ennemi fort. Parce que c'est où c'est là. Si je me trompe pas, ça donne des malus de conquête. Moins de provinces capturées, plus de dévastation. Là pareil, hein, plus de dévastation. Alors certes, t'as un bon bonus d'attaque, hein, il n'y a pas de problème de morale, dégâts moraux, etc. Mais ça vaut pas le coup. Hein. Comme je vous dis que dans des cas précis, par exemple, quand c'est vraiment la merde. Mais bon, là j'ai un peu d'avance.
Donc clairement, je peux utiliser cette méthode. Allez, sur ce, on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve, on est lundi, je crois. On sera lundi. Enfin, on est, ouais. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Voilà, on va prendre le Kala. On va peut-être voir pour prendre le neige de vite fait. Parce qu'il commence à m'énerver. Et l'Afghanistan. Ouais. Je sais pas si ça fera un épisode, on verra. Allez, je vous remercie d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao.